organisé beaucoup de concours et qui montent dans les étoiles. Ça, c'est bien aussi pour les Français. Allez, on enchaîne. C'est parti avec Joao Miguel Torrao, Ecuador, lusitanien de 12 ans par Covadis. Le meilleur portugais de l'équipe. Hier, il était 9e du Grand Prix à plus de 73%. Beaucoup d'énergie dans un début de reprise, parfois un peu trop, et du coup des petites imperfections dans les postérieurs, dans ce tour Piaf Passage. Très bel enchaînement au galop, hein. Vraiment assez parfait. Cet allongement, pirouette et demi, les changements de pied au temps. Très très grande qualité. Et très bien souligné par la musique également. Ouais, dommage, cette petite incompréhension là à la fin.
super enchaînement, des changements de pied. Vraiment, probablement les meilleurs changements qu'on ait vus jusque-là. Vous parliez tout à l'heure de la propulsion sur les changements. Là, on est vraiment dans le cas de figure. Pirouette au galop, pirouette au piaf. Eh bien, c'est monté avec beaucoup de maturité pour le jeune cavalier portugais João Miguel Torrão. Fait partie des coups de cœur de la journée, très très clairement. Jeune homme qui a très très bien monté ce freestyle, Camille. Ouais, très très belle reprise avec vraiment, je trouve aujourd'hui, en particulier un travail au galop vraiment fantastique. C'est puissant en fait. Très 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 convaincant. Beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamique dans tout ce travail au galop, magnifiquement souligné par cette musique. Je trouve qu'il vraiment a déjà les changements avec beaucoup de propulsion, vraiment un galop très montant, très énergique et en plus vraiment mis en valeur par cette musique. Beaucoup, beaucoup mieux que le Grand Prix d'hier. Oui. Beaucoup moins de. D'ailleurs, il y a eu de gros, gros désaccords, hein, le plus gros écart. Il n'a pas gagné la reprise, mais il a certainement eu la palme d'or de la plus grande différence dans les juges avec 10%. C'est vraiment incroyable. Je pense, j'espère qu'aujourd'hui, cette reprise aura mis tout le monde d'accord, parce que ça semble assez. C'est évident que c'était une très belle reprise. Et il a certainement un billet aussi.